Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break, acte 4, partie 1, le pont de Port Donnelly. Hop, ok, bon bah c'est parti. Bon, ça entre vous m'ont dit aussi que les niveaux pouvaient potentiellement se réduire au niveau au fur et à mesure de l'aventure, quant à leur durée tout simplement. Par conséquent, je verrai, je reprécise ça, je verrai la durée de l'épisode. S'il ne me semble pas assez long, je ferai deux parties en un seul épisode. Je pense que c'est le meilleur compromis que je puisse faire. Bon, alors, le test de la personne capable de préparer le traitement de Paul Seren contre le syndrome des chronons. Et c'est une astuce des de Quantum Break. Quand il a été exposé à l'impulsion de la machine à voyager dans le temps, Jack est devenu un générateur de particules chronons vivants. C'est ce qui lui confère ses pouvoirs et permet de rester actif lors des interruptions. Vous avez ôté à Monsieur Seren sa garantie de survie. Le docteur Amaral, vous étiez la priorité. Ouais, d'accord. Ça, je l'avais compris. Monarch avait fait placer toutes les issues possibles sous surveillance. Je devais quitter l'île, mais certainement pas en voiture. Il me fallait un autre plan. Ok, on y va. Apparemment, il a la folie des grandeurs, il veut un hélicoptère ou un jet privé. Bon, c'est pas grave. Yes. Venez me chercher, c'est trop dangereux. Ok. Très bien, où est-ce qu'on se retrouve ? Vision ! Je vous rappelle dès que j'aurai gagné les hauteurs et que j'aurai un point de vue sur ce qui se passe sur le pont. Ce qui devrait se faire assez vite. Personne ? Dommage. Alors, ouh ! Il y en a une là et une juste là. Hop. Hello there. Parfait. Et le une. J'imagine qu'on va avoir un nouveau pouvoir. Un point de vue en hauteur. Je suis en train d'observer le pont. Et que c'est pour ça qu'on nous donne autant de trucs de chronon. Peut-être vous faufiler. Ouais, peut-être. Sinon, je viens vous chercher. Tenez-moi au courant. Hop. Je suis plutôt exposé ici, alors ne traînez pas. J'irai beaucoup mieux quand je serai sur ce bateau. Monarch me lâche pas. Un bateau, donc. Ah bah oui, le bateau, je suis con. Comment va le docteur ? Oh, la jolie crabe. Et elle crie. Il vous faut combien ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait Seren. Ça dépend. Laissez-moi vérifier. C'est Seren ou c'est... Ouais, c'est Paul Seren. Quoi ce délire? Ça a pas l'air d'être la forme. Je veux pas dire, mais ça a pas l'air d'être la grande forme. Je ferais bien de rentrer avant que cet hélico me voie. Hélico? Ah! Je l'entends, mais de là à le voir... Bizarre. Bon, on y va. Hop! Vous êtes toujours là? Oui! Ouais, je cherche juste un point de vue. Ça va, y a pas grand chose. Y a pas de risque. Oula. Non, c'est bon. Ok, y a une télé. Power on. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a narrator. You know, Night replacement. Springs, d'accord. Bizarre. Hop. OK. Bon, apparemment il y a pas apparemment il y a un petit barrage routier, sympa. Et je suis dans quoi en what? Ah d'accord. Hélicoptère, pourquoi pas? On a toujours pas trouvé Joyce et Wilder. On fait un passage. Bonne réaction. Il est sympa leur hélicoptère. Ne pas traîner ici, Jack. Il va falloir agir. Ouais, à ce propos. Un problème? C'est le thème de la soirée. Je suis en train d'observer le pont. Si j'approche du pont, il risque d'y avoir des innocents pris dans la fusillade. Je vois. Des idées peut-être. Ouais, laissez-moi voir. Il y a une jetée sous le pont. Essayez de m'y rejoindre en bateau. Oui, avec un hélicoptère qui... Mais bien sûr! Un panneau essence devant, on voit que ça. Monarch non plus ne pourra pas le rater. Bah oui, mais même sur le principe, un bateau qui vient par là. Je passe sur la fréquence de Monarch. Je vous recontacte. J'y serai dans quelques minutes. Ne me posez pas de lapin. Oula, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille vite? Vendu.
Cela ne me dérange pas. Bon, comment je fais pour descendre? Où est la barre? Hop. Je peux pas sprinter pour l'instant. Sortie du bâtiment. Excusez-moi, monsieur. Nous aidons la police à appréhender un homme. Donc, je vous demande quoi que ce soit de la chaîne. Ce serait pas le fils qui a fait sauter la bibliothèque? Hein? James Joyce? James Joyce. Ah, j'aimerais bien, remarque, c'est joli. Hop, on va passer par là. Fais pas le con, non, t'aurais dû la tenir. Merde. Merde. Wouh. Je dois faire vite. Juste ce que je voulais. C'est pas comme d'habitude. C'est carrément pas comme d'habitude. Hop. On récupère ça. Mais c'est carrément pas comme d'habitude. Très bien. Je croyais qu'on était en interruption. Vous possédez quelques informations que ce soit, adressez-vous à un de nos agents de sécurité. Le train, ça va être important. Wap, 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 wap. Et il tombe. Ah bah putain, on sent que t'as pas vu les vidéos de Watch Dogs, hein. Watch Dogs qui me fout de plus en plus la hype. Je crois que c'est Jack Joyce. Eh mais... Ils m'ont pas vu? Si, je peux faire. Oh wow! C'est bon. C'est fait. Salut les filles. Je sais comment je vais la voir. Oh! Boum! Bam! Ok, tu veux te la refaire? Aïe! Boum! 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 Merde, j'ai plus de balles! Ok! Et c'est parti! Boum! Prends ça! Voilà! Crac! T'es mort! C'est ça que t'appelles un barrage? Je fais 100 fois mieux que toi! Son bateau ne pouvait pas vous rejoindre. Non. Mais ça m'a permis de monter sur le pont et de le traverser. J'ai pu passer sous le nez de Monarque sans me faire repérer, ou presque. Ou presque. Merci de préciser le ou presque. Ok, cool. Ça, je prends. Hop! Merci! La suite! Je devrais monter sur ce pont et le traverser avant que l'interruption prenne fin. Ouais bah t'es un rigolo toi l'ami hein, mais t'as pas beaucoup de munitions quand même hein, je veux pas dire. J'aurais peut-être dû changer d'arme, récupérer les armes des mecs. Même si j'aime beaucoup ma carabine, je l'avoue. Il y en a encore un? Pourquoi il est derrière? Elle doit être au-dessus. C'est sympa dans le coin n'empêche. Ouais non franchement, Watch Dogs 2, chers amis, sera sur la chaîne hein. Il arrivera un petit peu en retard je crois, il arrivera pas avant le 28 novembre. De mémoire. Donc ça va être coton pour tourner beaucoup de vidéos. Parce que je sais pas si je serai là à Noël. Si je serai chez moi. Surréaliste. C'était pas des flics. Ils n'avaient aucun droit de faire ça. Mais la campagne de communication de Monarque avait porté ses fruits. Eux, c'était les héros qui protégeaient le peuple. Et vous étiez le terroriste. Panneau d'affichage. Avez-vous ces individus, Charlie Wincott et Fiona Miller. D'accord, donc ils cherchent Charlie aussi, c'est rigolo. Alors, normalement, elle devrait pas être loin. Là, par là. Je crois que je l'ai vu. Aucun signe de lui, monsieur. Franchement, je doute qu'il vienne ici. Donc, elle est juste là, mais je... Ah oui, d'accord. Hop! Merci, l'ami! Ça fait toujours du bien par où ça passe. Ok. Hop! Nouvelle consigne concernant le matage. Nouvelle consigne concernant le matage. A tous les agents sur le terrain, soyez avisés que Martin Hatch est désormais considéré comme un traître. Tous les ordres et les instructions qu'il a émis, même les plus récents, doivent être ignorés. Contactez votre superviseur pour de plus en plus d'informations. Hatch a participé à la destruction de matériel médical de la plus haute importance. Il a causé la mort de plusieurs employés de Monarque et nous le soupçonnons de collaborer avec Jack Joyce. Une enquête est en cours, mais l'usage de la force est autorisé pour appréhender Martin Hatch. Si sa capture s'avère impossible, il devra être considéré comme une cible prioritaire à ne laisser s'échapper sous aucun prétexte. Ne prenez aucun risque, il est inutile, pardon, il est considéré comme extrêmement dangereux. Bien. Je pense que le fait qu'ils le mettent de mon côté, enfin contre moi, entre guillemets, si je puis dire, est plutôt là pour.
D'accord, donc faut l'identité judiciaire de Jack Joyce. Et plutôt là pour en fait donner une cible commune. Je pense que Paul veut pas nommer, enfin veut pas donner comment d'informations contraires à son équipe. Je reste une cible prioritaire parce que ça doit être comme ça. Mais oh, ça ressemble quand même beaucoup au bon. Oh oh merde, j'avais des sacs. Non, je vais récupérer ça. Qu'est-ce que un gros tas. Wouh! Salut! Il y a eu un ralenti dans l'interruption, comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Si possible. Hop. Hop. Boum. Allez! Hop! Wow! Hop, je supprime les petits d'abord! Au revoir! Ah, j'ai pas ce qu'il faut! Boum! Ah la vache, il fait mal! Hein. Wow! Boum! Tu l'as senti passer celui-là, hein? Hop, à la vache. Il est balèze, hein. Par contre, son machin en a pris un coup dans le nez, je veux pas dire, mais... Hop, là, c'est le moment. Raté. Aïe. Ah, la vache. Il est atrocement balèze. Je vais essayer autre chose. Je dois avoir récupéré tout ce qu'il faut. Hop. Ah, il est d'une... La vache. Ça fait de plus en plus mal ce qu'il fait, n'empêche. Hein. Hop. Oh la vache. J'arrive pas à toucher son truc. Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Hop, je sais, je vais chercher des munitions. Hop. Hop, parfait. Oh, je vais tenter un autre truc. Tiens. Quoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Boum! Ah, celui-là, je crois qu'il l'a senti passer. Ok. Ok, c'est bon. Ok, cool. Je dois juste traverser ce... Munition. Je récupère ma carabine. C'est bon. Hop. Et si je peux re-récupérer une munition, si j'avais vu qu'il y avait ces munitions-là, par contre, j'aurais prise ici, ça aurait été plus simple. Hop. On passe sur le pont. C'est bon, hein, t'es pas obligé de t'énerver contre la porte. T'as rien fait. Bon. Bon. Ha. 10 km plus haut, ça use. 10 km plus haut, ça use la semelle de mes chaussures. Ah, ça fait mal à la plante surtout. À la plante des pieds. Waouh. Fais monter 10 km pour en descendre 5, c'est génial. Comment tu vas les descendre? Non, j'aurais dû regarder. Ah ah. On ne m'emmène jamais nulle part sans raison. Ok, 6 sur 6, donc techniquement on a eu ce qu'il fallait pour la... Alors, détection de menace, portée augmentée, d'accord. Esquive temporelle, ok, bouclier temporel. Déflagration, accélération, je l'ai prise, élimination multiple, je l'ai prise. Ici j'ai quoi? Ralentissement, donc ça c'est pour le bouclier. Puissance augmentée, plutôt au niveau de l'arrêt temporel, ça pourrait être sympa. Hop. Enchaînement. Oh, ah oui, ça c'était cool ça. Enchaîner 3 arrêts temporels, ça peut être cool. Ok. C'est fait. On descend, Jack. Allez, descend.
Y'a rien là. Sprint! Avec le temps. Oh! What the? Oula, alors ça c'est pas normal. Ça c'est une attaque terroriste, chers amis. Je sais pas ce que c'est que ça. Mais honnêtement, pour moi, c'est du Paul Seren. Paul Seren ou Bess. La Bess du futur. C'est pas normal ça. Ça c'est pas un accident. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont avec les bateaux dans ce jeu, hein. Mais ça c'est pas un accident. Qu'est-ce qui t'arrive? What? J'arrive pas à comprendre dans quel petit. Ah d'accord. Oh, c'est très très bizarre comme position, hein. Qu'il ait la jambe coincée, je veux bien. Qu'il se soit tenu par les jambes comme ça. Non, alors là, là, j'y crois pas. C'est con parce que. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Ah, donc faut que je me dépêche. Dépêche-toi. Le cargo était ma meilleure option. Il me restait plus qu'à descendre. Oh, t'as du vol. Oh. Oh putain. Là, on sent que ça commence à devenir le bordel. Ça serait bien le début de la fin des temps. La zone de collision figée était un vrai chaos. Je vais réussir à la traverser. Hop là. Suicide. C'est très compliqué de le diriger avec un ZQSD. La zone de collision figée était un vrai chaos. Oui, tu viens de me le dire. Je vais réussir à la traverser et prier pour m'en sortir indemne. Hop. Parfait. Continue. Je peux passer par où? Oh, d'accord. Freeze. C'est bon. Continuez à descendre en direction du cargo. J'arrive pas à savoir si c'est bien ce que je fais. Ah, attendez, il se passe quelque chose. Oh nom de Dieu! Est-ce que ça veut dire que je peux empêcher le truc d'arriver? Ah, plus maintenant! Ah, si, c'est bon, il y a une interruption. Hut! La progression vers le bas était loin d'être une progression de santé. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment. Blah! Oh bah j'ai lancé un! Bon. Peut-être que je l'envoie sur la voiture alors plutôt que sur la zone. Peut-être mieux. Oui, donc il y aura véritablement Watch Dogs 2 sur la chaîne, chers amis. Hein. Franchement, j'avais pris mon pied un petit peu sur certains hacks de Watch Dogs 1. Ah, il faut que je le débloque, d'accord. Et là, je sens que je vais pouvoir reprendre mon pied sur à descendre, en direction du cargo. Sur Watch Dogs 2. Parce que contrairement à tout ce qu'on peut en dire sur son développement, sur le down graphique qu'il a subi, en dehors de tout ça, le jeu restait bon sur l'histoire qui dégraissait un petit peu au fur et à mesure. Hein, faut être honnête. La progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. Hop. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient. Merde, je me suis planté. Se décalait, se confondait sans arrêt. Ok, c'est bon. La fin du temps ressemblait à ça. Tout était brisé. Chaotique. Wow. Figé. Et personne ne s'en rendait compte. Oh, ça calme. Oui. Ah, ce mec devrait faire les JO, quoi. Wow, 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 wow. Alors là, je suis désolé. Dans l'animation, quand il s'est remonté, il a fait 3 pas, il allait dans le trou. Ah, oh, c'est dégueulasse. Allez, on y retourne. Est-ce que ça passe sans le boost? Oh putain, oui, ça passe, mais j'ai l'impression que c'est plus juste. Hein. Je continue à descendre. Hop. Direction du oui, oui, j'ai bien compris. Allez, vas-y, Simone. Simone, cesse de regarder le prochain modèle de voiture que t'as acheté. Hop. La
progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. Là, il a manqué de m'envoyer dans le trou, là, je veux pas dire, mais... La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment. Hop! Se décalaient, se confondaient sans arrêt. Ah, là, j'ai plus accès à mes pouvoirs, donc ça, c'est obligatoire, c'est... Tout était brisé. Alors, me refais pas le coup de « je cours tout seul dans le trou ». Figé. Et personne ne s'en rendait compte. Là, je lâche le bouton. Je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai gardé le bouton enfoncé. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement parce que j'ai essayé de garder le bouton enfoncé que... Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me démonte niveau temps, là? Ouh, c'est pas ma... C'est pas la forme chez moi, là. Ça, ça aurait dû être du live action, ça. C'était de l'eau en dessous? Mais la fracture pas... s'aggravait. Les objets traversaient le temps. Dans un chaos total, des lignes temporelles se chevauchaient. Et ça allait empirer. À moins de tout arrêter. Oh. D'accord. Vous n'imaginez pas la puissance de cette technologie. Vous devez absolument la remettre à Monarch. Oh. Je me suis préparée à ce qui va arriver. Vous dites vous y êtes préparée, mais à aucun moment votre plan ne prévoyait d'empêcher ces événements. Même si je réparais la machine de William, vous espérez quoi au juste? La fin du temps approche. Il n'y a aucun moyen. Ah bah j'ai réussi à les rejoindre, c'est cool. C'est pas un débat. Je viens de voir un bateau s'encastrer dans un putain de pont. Le temps s'écoule rapidement et la fracture s'aggrave de minute en minute. Tu pourrais la regarder dans les yeux. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas. On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Oui, il a conçu un outil anti-fracture. Ça. La contre-mesure. Nous allons aller dans le passé. Pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien... Nous resterons en désaccord. Cette menace qui marche. Je dois faire des tests sur cette machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Amy, emmenez Amaral à la machine. Surveillez-la. Pas de problème. C'est vrai qu'elle est tellement scientifique, Amy, que... Ok, docteur, allons-y. N'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Et surtout, ne me jouez pas de mauvais tours. Ou vous risquez de le regretter. Oh, le petit plan cul. Enfin, le plan fesse, le plan de caméra. Jack, avant qu'on descende, il faut que je vous parle de quelque chose. Oh oh, mais non, ça ne sera pas tout de suite, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pourrez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop !